Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing spéciale Diamond Painting. Alors cette vidéo est en collaboration avec le site Gutfeld, où j'ai déjà eu avec eux la dernière fois, sauf que cette fois-ci je ne me suis pas trompée dans la prononciation du site, hein. Bref, passons sur ce petit détail. Ils m'ont proposé encore de commander des toiles et d'autres accessoires de Diamond Painting pour pouvoir vous les présenter en vidéo, et je le fais avec grand plaisir. De plus que j'ai eu l'occasion de tester les toiles, de commencer les toiles que j'ai reçues la dernière fois, donc la Bourriquet et la Belle Oie Dormant, et je suis super contente de la facilité déjà pour les coller. Les diamants sont de la bonne taille, ils se mettent comme il faut, et voilà, donc du coup c'est un vrai plaisir à faire ces toiles là donc je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous en représenter d'autres et de tester des choses que je n'ai encore jamais commandées chez eux, pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'ils présentent sur leur site. Alors du coup j'ai voulu vous montrer un petit peu le site pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est fait. Donc là vous arrivez, vous avez les nouvelles arrivées, donc tout ce qui est nouveauté en toile. Vous pouvez dérouler pour en avoir un petit peu plus. Ensuite vous avez les catégories, donc diamant, peinture à diamant. Donc vous avez les différents diamants que vous pouvez prendre, les tailles, etc. Les meilleures ventes au niveau de certains articles, les toiles pas trop chères, donc par exemple celle à 3,99€, vous avez beaucoup de choix, principalement en toile de 30 par 30, mais honnêtement, il y a des rendus qui peuvent être très sympathiques. Vous avez également tout ce qui peut être à côté, donc c'est tous les accessoires à diamanter, des miroirs, des sacs, des albums. Par exemple, là vous avez des marque-pages, je vous enverrai un très vite dans la vidéo d'ailleurs. Ensuite, il y a également la peinture par numéro. On connaît bien, hein, quand on était gamin, on faisait ça, mais là, c'est pas le même niveau. Donc pareil, vous avez plein de choix et tout, et c'est très tentant, moi, qu'adorais en faire, mais pour l'instant, je reste dans le diamant painting. Vous avez également du point de croix. Pour les amateurs de point de croix, vous avez plein de choix. Vous avez aussi les petits papiers découpés, donc je ne sais plus le nom exact, mais en gros c'est des petits papiers que vous roulez pour faire des dessins, des paysages et tout, et c'est absolument magnifique, je trouve ça vraiment très très beau. Je n'ai encore jamais testé ce truc-là, il faudra que je vois un jour. Ensuite, il y a des petites plaques de métal pour embosser, pour faire du scrapbooking. Vous avez également la possibilité de personnaliser une toile de diamant painting ou encore une toile de peinture numérotée, où choisissez votre taille, ce que vous voulez et tout, et mettre votre photo. Vous avez aussi les outils de peinture au diamant, donc de diamant painting. Voilà, vous avez plein de choix, vous avez plein de choses et tout qui sont super sympas. Vous avez aussi la liste d'envie, donc ça c'est personnel, hein, c'est ce que j'ai mis moi et tout, mais vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir. Et ensuite, je vous montre aussi que vous pouvez changer la devise, vous pouvez mettre en euros, mais aussi suivant le pays où vous trouvez. Je vais tenter cette fois-ci de vous présenter les toiles à plat sur une table, voir si c'est plus facile pour moi de vous les montrer comme ça que la dernière fois où je vous avais montré ça directement. Là, vous me direz en commentaire ce que vous préférez, et du coup, eh bien on est parti. Alors du coup on est parti, et voilà le petit sachet que j'ai reçu avec ma commande. Je vais tout sortir, je vais vous présenter au fur et à mesure, sachant que dedans il y a deux produits qui vous seront réservés pour un concours que je vais réaliser sur mon Instagram comme j'avais fait la dernière fois. Donc du coup je vous les montrerai après, vous les verrez en détail tout à l'heure. On va commencer déjà avec les choses que j'ai commandées pour moi. Alors la première toile, c'est une toile un peu particulière. Donc en gros il s'agit d'une toile horloge, donc j'avais commandé, je ne savais pas du tout comment ça allait être présenté. Je suis en train d'essayer de sortir le kit avec tout dedans, donc je ne savais pas comment ça allait être présenté. Donc en gros c'est une toile, voilà, et ils vous mettent le kit pour la pendule à côté, donc c'est un kit classique, hein, voilà, comme ça, avec toutes les aiguilles et tout, qui sera à monter une fois qu'on aura réalisé le diamant painting. Et au niveau du modèle, j'ai choisi, je vous mets à l'endroit, cette petite chose qui est vraiment très très jolie. Donc c'est un pan, donc voilà, il y aura juste à faire un trou ici je pense, et en fait il faudra le mettre dans un cadre, mais sans la vitre idéalement, et voilà ce que ça donne. Donc c'est une toile partielle, c'est à dire que là ici ça ne colle pas, ça colle uniquement ici, voilà, donc au milieu non plus ça ne colle pas, et voilà, donc je l'ai pris parce que je me suis dit que les diamants pourraient être très sympathiques, et c'est ce que je vois, ils sont vraiment très beaux. Voilà, vous avez des gouttes
bleue et violette. Donc il n'y a pas de numéro sur cette toile, hein. C'est par rapport aux couleurs, parce que comme il y a très peu de couleurs de diamants, ils ont mis avec des symboles, enfin des couleurs et la forme du diamant. Donc il y a des gros diamants bleus comme ceci, et il y a en nombre ceux-là qui sont noirs avec des reflets bleus. Voilà, qui seront donc du coup tous ceux-là qui seront mis ici. Voilà, et ouais. Et en plus vous avez donc le kit, bien sûr, et en plus dedans vous avez une petite pince. Je pense que c'est pour attraper les gros diamants. Donc voilà, c'est une petite pince en plastique, toute simple. Moi je sais que je m'en servirai pas parce que j'ai déjà des pinces en métal que j'avais commandées sur AliExpress. Voilà, mais franchement je pense qu'il peut être sympa. Dites-moi si ça vous plairait qu'on le réalise ensemble en live, parce que ça c'est un diamant painting qui est facile à faire et qui je pense en live rendra quand même plus rapidement quelque chose qu'un diamant classique où il y a des milliers et des milliers de diamants à mettre. Là il n'y en a pas énormément, donc voilà, dites-moi si jamais ça vous intéresse. Je vous le dis aussi, je vous mets les prix des toiles et des accessoires ici ou ici ou ici, enfin bref, quelque part sur la vidéo si ça vous intéresse. Et les liens des articles seront à retrouver bien entendu en dessous de la vidéo. Mais voilà, dites-moi si ça vous plairait de voir ça en live. Ensuite, on passe sur un autre diamant painting différent des autres. On est aussi sur une toile partielle. Et elle se présente comme ça. Donc les toiles partielles, c'est quand on ne diamante pas le fond ou qu'il y a des endroits où il n'y a pas de diamant. Et voilà ce que c'est. C'est un joli arbre. Je dirais printanier, sachant qu'il existe dans d'autres couleurs. Celui-ci, je l'ai vu en bleu, je l'ai vu en vert, et je sais pas s'il existe une autre couleur, mais voilà, il est vraiment très joli. Donc comme je vous ai dit, partiel, donc tout ce qui est blanc, il n'y a rien. Par contre ici, là, on colle des diamants. Voilà, donc là vous avez les symboles sur celui-ci. Et au niveau des diamants, on est sur des diamants ronds classiques. Voilà, il n'y a rien de particulier. Il me semble pas qu'il y ait des diamants avec des couleurs particulières, je crois pas. Mais en tout cas, elles ont l'air d'être très jolies. Donc vous avez du noir et plein de nuances de violet. Je vous les déballe comme ça, ça vous permettra de mieux les voir. Donc voilà, du blanc. Il y en a un petit jaune qui s'est perdu dans les deux là. Voilà. Et ensuite, on a donc le noir. Et on a aussi donc les autres nuances de violet. Et ouais, franchement, ça va être sympa à faire. Ça, c'est pareil. On peut aussi le réaliser en live. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez en live ou en vidéo speed, donc en vidéo accélérée. Je peux faire un en live, un en vidéo accélérée. Voilà, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et on verra ensemble. Si jamais vous voulez en live, il faut me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Le lien est en dessous de la vidéo en description, parce que c'est là-bas que je fais tous mes lives maintenant. J'ai déjà réalisé, au moment où je vous tourne cette vidéo, un live diamant painting qui vous a beaucoup plu. Mais c'est vrai que ce serait bien de faire ça avec des, comment, avec des toiles où il y a peu de diamants à poser pour que vous puissiez voir le résultat assez rapidement. Voilà, donc ça c'était les deux toiles différentes que j'ai pris. Et il me reste donc ces deux là qui sont des toiles pures et dures. Et j'ai hâte de les voir. Je les ai ouvertes pour vérifier mais j'ai pas déroulé. Donc comme ça je ne sais pas du tout comment elles sont. Alors il y a celle-ci, hop, avec pas mal de diamants. Où est le kit? C'est bon, j'ai trouvé le kit, il était coincé là-haut. Donc du coup, il y a plein de belles couleurs et je vous montre la toile tout de suite. C'est une toile en 30-40 et qui m'a beaucoup plu. Voilà, tout simplement, c'est celle-ci. Donc c'est un petit hibou chouette, je dirais chouette, avec son petit parapluie. Donc cette toile-là, je la verrais bien dans mon entrée. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Elle est vraiment trop belle, regardez ça. Et les détails, ils sont plutôt sympas. Je vous montre également les symboles, si jamais vous voulez les voir. Ils sont quand même assez nets. Le 5 peut-être un peu délicat, mais il n'y en a qu'un. Enfin, si, on peut peut-être confondre avec le 7. Il faut être attentif entre le 5 et le 7. Mais autrement, voilà, on les voit quand même plutôt bien. Et la toile est juste adorable. Honnêtement, elle est vraiment adorable. Au niveau des diamants, bah, on a de très jolies couleurs bien vives. Donc on a du rose, du rouge, du bleu. Un autre rouge, on n'est pas sur le même parce qu'on n'est pas sur le même code. On a également le turquoise et tout. Donc voilà, il y a vraiment de très jolis. On est sur une toile en diamant carré. Voilà, parce que j'avais envie de reprendre des diamants carrés aussi. J'aime bien le diamant rond, j'aime beaucoup le diamant carré. Donc comme ça, ça me permet d'alterner. Voilà, mais j'aime beaucoup les couleurs, je les trouve très jolies. Après, quand on voit le dessin, on se doute qu'on va avoir des superbes couleurs. Et c'est cool, ça me sort un peu du noir parce que je suis sortie de, il y a peu, d'une toile, c'était Harry Potter, elle venait pas de ce site là, je l'avais eu avant et j'avais tellement de noir que j'en pouvais plus. Donc là honnêtement,
moins j'ai de noir, plus je suis contente. Et là, j'en ai pas du tout, je crois. Peut-être celui-ci. Peut-être pas, non, ça va. Par contre, je suis en train de regarder, est-ce qu'il y a les DMC dessus? Oui, on dirait. Parce qu'en fait, je garde mes diamants. Une fois, il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé ce que je faisais de mes diamants. Alors, s'il y a du noir, il y a du noir parce qu'il y a du 310. Le 310, c'est du noir. Je les garde dans des petits sachets et je note les DMC. Comme ça, si jamais un jour j'ai des diamants qui me manquent sur une toile, ben, au moins je les ai. Et ça peut aussi me servir pour faire une autre activité ou créer un diamant painting moi-même. Enfin, bref, je garde tout. Je ne jette rien. Donc voilà, celui-ci, donc bien sûr le petit kit hein, que je cherchais, donc avec le stylet, la coupelle et le petit pain de cire. Et ensuite, la dernière toile, avant de vous montrer ce que vous allez pouvoir gagner en concours sur mon Instagram, celle-ci c'est un coup de cœur. J'ai montré à Janek avant pour voir si lui aussi il appréciait, parce qu'après je lui montre les toiles en général avant de choisir, parce que si lui il aime pas, dans ce cas-là, je prends pas parce que ça sert à rien de prendre un truc qu'il aime pas parce que je vais pas pouvoir l'accrocher. Sachant que je pourrais pas accrocher toutes les toiles que j'ai, mais celle-ci, je voudrais vraiment pouvoir l'accrocher chez moi. Donc, on est sur des tons un peu marron, jaune. On a le kit avec deux pains de cire. Donc, on a quand même pas mal de diamants. Et du coup, on a sur cette petite toile qui fait 30 par 40, qui a 24 couleurs. On a le petit Yoda en mode bébé Yoda, hein. Je pense que c'est tiré de la série du Mandalorian, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe et j'ai craqué dessus parce que je le trouve super détaillé pour une petite toile comme ça. Je vous montre vraiment et il y a beaucoup de couleurs et il est vraiment très très beau. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre les petits symboles de plus près. Voilà, ils sont vraiment bien, on est sur du diamant rond et honnêtement je le trouve très très beau. Vraiment trop joli, trop choupinou, trop craquant. Bref, c'est Yoda, j'adore Yoda. Je voulais une toile Star Wars, mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec Star Wars, on tourne tout de suite autour du noir, puisque ça se passe dans l'espace. Donc du coup, j'avais pas trop envie de repartir tout de suite sur une toile noire. Et quand je suis tombée sur celle-là, qui était dans le clair, j'ai craqué. Honnêtement, j'ai craqué, j'ai montré à Janet qui m'a dit « Oh, mais il est trop beau et tout », donc du coup, je l'ai pris. Je ne sais pas où on la mettra, on verra bien, mais celle-ci, elle sera bien accrochée chez nous. Voilà, au niveau des couleurs de diamants, je vous les ai montrées. Voilà, c'est celle-ci. Donc il y a vraiment, c'est très clair. Il y a un peu de marron, hein, normal, puisque bah, Yoda a sa tenue marron. Et il y a le beau vert de Yoda qui est dedans, qui est là, qu'on aperçoit ici. Voilà. Et voilà, j'ai vraiment hâte de la faire aussi, celle-ci. On a les codes couleurs sur le côté et on a les DMC dessus. Donc ça, c'est intéressant. Si on les a pas là et qu'on les a pas sur les sachets, ben, on est un peu coincé. On peut pas forcément garder les diamants avec les DMC. Mais quand les DMC sont indiqués, ça, c'est pratique. Voilà, donc ça, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je montre bah, les résultats de mes créations sur Instagram et aussi sur Discord. J'ai ouvert un Discord pour la chaîne et il y a un salon spécial création où dedans on partage ce qu'on fait en loisirs créatifs et du coup dedans je partage mes toiles quand elles sont finies ou en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, les liens sont en dessous de la vidéo. Bien sûr tout, que ce soit ma chaîne Twitch, que ce soit mon Discord, que ce soit ma chaîne secondaire où je fais la rediffusion de mes lives et tout. Tout est en dessous de la vidéo, vous déroulez la barre d'infos et bien entendu les liens de tous les articles que je vous présente dans cette vidéo ainsi que le code promo que je vous mets juste ici qui sera disponible en dessous de la vidéo. Maintenant on passe aux petites choses que j'ai commandées pour vous qui sont celles-ci. Alors je vous ai pris un stylet, honnêtement je ne le voyais pas si grand. Quand je l'ai ouvert j'ai fait what, je fais mais il est super grand en fait. Mais c'est pas grave, je l'ai trouvé génial. Donc il est comme ceci, il est arc-en-ciel, je sais que j'ai pas mal d'amateurs d'arc-en-ciel, de licorne ici, donc je pense que ça peut vous plaire, c'est un stylet de diamond painting classique, hein, bien sûr, et voilà, donc là au moins question prise en main, vous n'avez pas de soucis, hein, parce qu'il est quand même volumineux, mais il est vraiment très très beau, donc du coup il sera à gagner avec ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un marque-page en diamond painting, j'en ai jamais fait, honnêtement, donc ça sera vous qui me direz, vous allez tester et vous me direz si c'est bien ou pas. Donc voilà, c'est l'arbre que j'ai trouvé moi en violet. Il existe en marque-page en vert et aussi la même taille que l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est du partiel, hein, donc c'est-à-dire que là ça colle pas et là ça colle. Voilà, il est vraiment très joli. Vous avez plein de diamants spéciaux dedans.
Je vous les montre juste après. Là, c'est le petit pompon qu'il faudra accrocher en haut du marque-page. Je ne le déballe pas pour pas qu'il s'en mêle parce que ce n'est pas pour moi. Et les petits diamants. Alors, vous en avez qui sont emballés dans des petites pochettes comme ça. Donc, vous avez les petites gouttes minuscules vertes et les ronds. Et ensuite, vous avez ceux-là. Donc, vous avez des mini gouttes jaunes. Oh, ceux-là, ils sont trop beaux. Ceux-là, c'est des strass, quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, vous avez vraiment de superbes couleurs. Tout est en diamant brillant comme ça. Honnêtement, vous allez vous éclater. Vous avez le petit kit de base qui est fourni, comme d'habitude, avec le pain de cire, le stylet et la petite bannette. Voilà, donc ça sera à gagner sur mon Instagram, je pense, le lendemain de la sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à surveiller mon Instagram pour que vous puissiez tenter de participer à ce concours. Et vous aurez donc tout ça à gagner. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter en dessous de la vidéo, comme je vous l'ai dit. Dites-moi ce que vous préférez en live, pas en live, en speed de diamond painting, je sais pas comment on le dit. Enfin bref, en accéléré. Voilà, n'hésitez pas à me dire, dites-moi si vous avez déjà commandé là-bas, je sais que vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour me montrer ce que vous aviez commandé ou m'envoyer en MP et tout, que je puisse voir votre choix, je suis curieuse. Et voilà, et puis c'est tout. Donc maintenant je vous laisse là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous cliquez sur le petit rond là. Et c'est gratuit, ça coûte rien. Et en plus ça fait plaisir. Pareil pour les likes. Et puis maintenant je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.